Pourquoi il y a un gros zoom sur ma gueule comme ça là? Non. Robin, viens là. Tu es puni. Pourquoi? Non, je ne vois pas. Parce que tu nous as fait sortir 1 million d'arrêts de bus plus tôt. Résultat, on doit marcher 1 km pour aller jusqu'au salon. Ça va, il y a 800 mètres. Eh ben, c'est 800 mètres, c'est presque 1 km. Du coup, là, on marche pour aller à Montreuil. On a oublié notre programme. Du coup, on ne sait pas ce qu'on va faire. Même les auteurs et tout. Voilà, je ne sais pas. Si, on va voir Eric Lam, ça c'est sûr. Soit aujourd'hui, soit demain, je verrai. Donc bref, je vous tiens au courant dans la suite de la vidéo. Alors regarde, ah merde putain, moi aussi je vlog. Waouh. Wow. Ah. Non mais moi je suis pas dans le cadre en fait. C'est ça. Mais voilà. Ouais. Alors Anaëlle, une petite réaction. Bonjour. Doucement, le zoom dramatique, doucement. Bonjour, enchanté. Non, une réaction, non. Arthur. Voilà. Ah, voilà. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais? J'attends pour les dédicaces, j'ai mal au pied. T'as mal au pied? Ça fait depuis combien de temps que t'attends? Ça fait pas longtemps que j'attends là. En fait, elle vous l'a pas dit, mais elle a doublé tout le monde, genre en faisant style qu'elle me connaît alors que je la déteste, tu vois. Donc en fait, elle a doublé toute la queue là, vous voyez derrière. Juste pour passer devant les gens, quoi. Salut Madeleine. Madeleine, une petite réaction sur le salon du livre aujourd'hui. Elle assume pas sa vraie tête. En fait, on vous a pas dit, mais elle se photoshop sur ses vidéos. Tu même pas. Bah, ils ont... Ah bah si tu veux. Naël. Oh oui. L'univers. Il fait chaud. Madeleine. On a perdu le nord. On a perdu le nord, mais c'est pas toi le nord. Ah non, j'avoue, c'est Anaël. C'est Anaël. Hey, Anaël. Oui. Tu es naine. Quoi? Tu es naine. Regardez. Quelle enflure. J'aime pas ton plume quand je suis en train de manger. Dignité, bordel. Voici un Cédric sauvage en train de manger. Il a une dentition assez particulière qui lui permet... Eh, hey, tu viens de cracher sur ma caméra là. Je suis désolé. Là, ça fait le pitch en fait. Allez-y. Qu'est-ce que ça fait, Anaël? Ça fait du bien. Alors, Arthur, tu me fais de l'œil depuis des mois. Arthur, le craquin. Regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est magnifique. Oh, c'est là. Bah oui, c'est là. Une petite Anaëlle sauvage apparaît. Anaëlle, ouais. Tu fais quoi ici? Je vais faire un achat. Alors Anaëlle, tu es coupable. Ouais, j'avoue. J'ai pêché. T'as pêché? J'ai pêché de la morue, ça va être génial ce soir. Un petit mot pour tes parents? Papa, maman, je vous aime. J'espère que vous aimez les clémentines, Anaëlle, mais vous allez voir, ça va vous donner de la vitamine. Hein. Parce que je trouve un peu mou. Alors Cédric, qu'est-ce que tu viens de dire à tes chers abonnés? Si tu veux faire une chaîne booktube et que ça marche, pour réussir il faut coucher. Oh, instant choc, révélation. On a passé le cap. Arthur, chut. Qu'est-ce qu'il y a? Tu nous expliques l'origine de ton prénom? Alors, Cécilia, ça vient d'une famille romaine qui s'appelait Caecilius. Et ça a donné Cécilia avec un C, Cécilia, Cécile, et mes parents ont mis un cœur. Voilà. Bref, voilà. On s'en fout. Ou un caca. Si tu mets ça dans ton blog, je te tue. Regarde, l'univers se trouve dans mes narines. Je passe sur la super nouvelle chaîne de Maxime, donc je suis super fière de lui parce que j'adore ses nouvelles vidéos. Maxime, et non, je juste sens. Maxime tout court. Hein. Et vraiment bravo à toi parce qu'elles sont trop belles, trop bien faites, super dynamiques, j'adore ta licorne, j'ai super hâte de voir la suite et je trouve que t'as vraiment pris un très bon élan et t'as plus qu'à continuer, je crois que t'es bien parti. Allez, on va où déjà? Calimard. Et on va faire quoi? Acheter des livres.
Oh, encore des escaliers, que vois-je ? On n'arrête pas le progrès, décidément. Bon, avec Annelle, on veut aller à Fleurus. Et en fait, on cherche le point G. Parce que c'est à... Bah oui, c'est à G29. Ah d'accord. Claudia, du coup, il faut que tu nous aides. On cherche le point G de Fleurus. On est juste ici, regarde, là on est arrivé, là, avance. Ah bah il est là le point G. Ouais mais... Ouais le point G, ouais c'est ça. Le G c'était là, mais le 29 c'est pas un peu plus long. Ah mais... Je pense que c'est... Regarde. Non mais là il y a un zoom, c'est pas là, possible. De nouveau, voilà. Non, il n'y a pas de zoom, attends je vais revérifier. En fait il y a mon front et ta tête là. Non, non, il n'y a pas de zoom, là il y a un zoom tu vois. Et encore je suis à 7, genre ils zooment trop bien mais... Non mais vraiment les zooms comme ça doit être interdit. Hein. Regardez, vous voyez ça c'est les pluies de Vincent Villemino et ça c'est Arthur de la chaîne Bookish Dream. Vous voyez pas qu'il y a un peu un... Vous voyez, regardez, là... Pas du tout. Et là, il y a un ressemblement, Un rassemblement, oui. Ça se ressemble quand même, bordel de pas du nom tout. De Dieu. Pas du tout. Mais si, regardez. Pas du tout. Je comprends pas. Dites en commentaire, hein, je... Eh ben salut, du coup voilà on est à la gare de Lyon, là on est rentré. Donc Montreuil c'est fini. C'est trop bien cette année encore. Donc voilà, je pense que je vais bien m'amuser pour le montage et vous aussi j'espère que ça vous a bien amusé de voir cette vidéo. En attendant, ben écoutez, voilà, je tenais à remercier vraiment tous les gens que j'ai croisés. Je peux même pas les citer tellement qu'il y en avait. Donc, voilà, je vous raconte même pas tout ce qui a pu se passer. Vous en avez vu une partie, voilà, c'est juste trop bien. J'ai encore les étoiles plein les yeux et du coup voilà, merci à tous. Et puis voilà, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos, de prochains vlogs et puis salut. Alors maman, qu'as-tu à dire pour ces achats? D'abord, combien? Je répète. Sais... je sais pas. Je veux avoir la note. Mais en fait, il y en a plusieurs de notes, du coup, je les ai pas gardées. D'accord. Et ton copain, là, Eric, là, il peut pas te faire une promo, là? Non, mais... Là, tu achètes, tu les achètes... J'en suis sûre que si tu les achètes à majuscule, t'as 15 ou 20%. Alors qu'en les achetant comme ça, tu les payes plein pot. Et puis là, il les a même pas signés en plus. Non, puisque du coup, il m'a signé les deux autres, les deux premiers. Donc, il voulait tous me les signer, mais je lui ai dit stop parce qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient. Bon, alors je me suis... Là, ça me fout les boules. Pour Maxi, même si tu oublies mon prénom, non, n'est-ce pas, je te signe avec plaisir ce top 1. Elle s'appelle Cindy Van Vielder. Bah, elle est gentille, mais enfin, bon, elle t'a fait combien, une promo aussi? Non. Pour Maxime, là, il a une écriture Rivero, il a une écriture enfantine. Hein. Bon, eh ben, tu es interdit de Montreuil jusqu'à nouvel ordre. Non.